aïe, aïe, aïe. Désolé, j'avais oublié de me t-mute les amis, ça fait 5 minutes que je parle avec Bob. Oula. Ah ouais, putain. Ah, je me suis vraiment fait mal, bro. Non. À l'université aussi, il devrait y avoir. Non, je sais pas. Je vais aller voir à l'université s'il y a pas une dab. Aïe, oh putain, aïe. Non, aïe, aïe, aïe. Putain, j'en ai bien que... Oh, je vais mettre 2 heures à descendre, j'en ai rien à foutre. Petit pas de côté, hop là. Aïe. Non, aïe. Oh, putain, c'est froid en plus. Oh là là. On dirait une bouse de vache, sérieux. Ça craint. Putain, une jolie vue là. Oh, tu penses que j'arrive à faire une jolie selfie là? Hop là. Pas normal. D'habitude, j'ai pas autant de boutons. Allez, hop. C'est pas normal que j'ai autant de boutons sur la gueule. Je sais plus. Je sais plus si c'est normal que j'ai autant de boutons sur la gueule. Aidez-moi. Vent Jacal, vent Viguero. 45 000. Intéressant ça. 75 000. Ah ouais. Je suis un être à la recherche. Non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure. Qui sort un peu de la banale. Alors je cherche, je trouve Yuri, cette femme qui me manque tant. Alors je cherche, Yuri, cette femme qui me manque tant. Ah merde, attendez. Ah merde, elle me demande combien j'ai quoi déjà. J'ai 10 000 $, 109 lias et je reprends 40. 30. 109, 10 000 et 30. J'ai 10 000, 10K, balle. C'est 9 alias
J'ai dit quoi? Oh, 30. SES. J'en ai plein que je cours. Rien, je suis suicidaire. Rien à foutre. C'est bon, on est marre. Voilà. Aïe. Vite. Je vais envoyer un message. Envoyer un message. Entreprise. LSES. Bonjour. Je n'arrête pas de tomber dans le chemin du retour de mes emplettes de Noël. Pas normal que j'ai des taches de rougeur sur la photo, c'est quoi ça? Qu'est-ce que. D'où ça vient? Nickel, écran noir! Super!
Est-ce qu'il va me venir, c'est con? Je vais faire un sneak en attendant. Putain, il y en a, ils sont chauds, hein. Oh putain, là, c'est bon, je l'ai eu. Là, je l'ai eu, là, je l'ai eu. Oh t'es. Ah, il score 40. Mais non, j'ai eu une peine de commencer à jouer, comment ça se fait que j'ai 40. Non, non, c'est une connerie ça. Comment j'ai pu faire 40 alors c'est la première fois que je joue? Je sais pas. Pourquoi j'en suis une prenne pour priorité pour les le LSES? Ça, j'ai compris. Merde, merde, merde. Là, c'est bon, je l'ai eu. Yes. Là. Ils arrivent. Ils sont là. Bonjour monsieur le médecin. Et bonjour. Comment ça va? Bah ça va et vous? Ben pas trop bien, je vous avoue. Je suis allé faire les courses pour mes emplettes de Noël au Corps Sanitaire. Et je me suis dit ça va être sympa au lever du jour et tout, descendre par le chemin. Alors, j'ai eu une mauvaise idée, hein. J'avais oublié que la neige ça glissait autant. Et oui. Du coup, ouais, je vous avoue, j'ai un peu mal au genou et au cul. Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Ah ouais? Mon nom, c'est Bob. Je suis un idiot, je vous cherchais tout en haut. Ah oui, parce que j'ai envoyé le message un peu plus haut, non? Je sais plus. C'est pour ça. Et ah, je suis désolé. Je suis sorti de l'autre sens, je vous ai pas vu, du coup. Ah, désolé. Alors, Bob comment? Il y en a beaucoup. Ah, oui, Bob Mathers. M-A-T-H-E-R-S. Ok, je vous ai trouvé. Alors, en même temps, je suis devant vous, donc oui. Sur une échelle de 1 à 10. De 1 à 10. Votre, ah, je sais pas. Un petit 3,5. Même pas. Oui, je suis pas. Entre 2 et 3, on va dire. D'accord. Ça commence à piquer, quoi, vous voyez? Oui. C'est comme si je m'étais gratiné un peu partout sur les genoux. Ok, bah du coup t'arrêtes, je te laisse. T'as un petit pansement, ça devrait suffire. Hey. Et vous désinfectez tout ça. Ah c'est gentil, merci, vous êtes au top. Hein. Alors je vais regarder. Ouais, effectivement vous avez eu de la chance. Ah oui? C'était à ça d'être grave? Ah, c'est bah, comme si c'était. Ça aurait pu être grave. Ça aurait pu être à une pichenette, on va dire. Ah, ouais! Oui, oui, oui. Vous voyez, c'est un peu comme si on était sur une corde et que ah, bah, bah, le moindre. Vous voulez? Le moindre. Vous voulez que je vous débloque? Non, non, ça va aller, vous inquiétez pas. Hein, parce que j'ai une bonne technique pour débloquer les gens. Ah bon? Pas oui. Le jeu des bras, ouais. Je fais la danse du serpent, vous connaissez? Ah non. C'est vrai? Alors, attendez parce qu'il faut que je la retrouve, mais parce que je me rappelle plus trop comment on fait. La danse du serpent, je suis très curieux. Oui, c'est vrai, vrai. Je pense que c'est ça. On voit, c'est ça, la danse du serpent. Ah oui. Oh, bon.
En général, quand il y a un homme devant moi et qu'il est un peu bloqué, je fais ça, ça le débloque tout de suite, hein, ouais. Ah bah, oui, tout à fait, oui. Je me demande bien pourquoi, oui. Hey. Bon. Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur? Ah bah oui, super bien, vous avez vu ce DLC que j'ai. Avant ça, j'aurais pas pu, hein. Eh bah parfait, alors. C'est madame qui va être contente, hein. Oh, vous avez bien merci bien. Ah ben merci, c'est gentil. Ça fait des années. Je l'ai perfectionné à Los Angeles. Chut, faut pas le dire. D'accord. Mais écoutez, on va se souhaiter une bonne journée. Et ben bonne soirée à vous, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ah oh, ben oui. Allez, au revoir. Des fois, je passerai pour faire un don du sang. Il paraît c'est important. Va, pas de souci. Allez. Ce sera avec plaisir, monsieur. Et ben allez, bonne journée. Je rentrerai chez moi. Je vais chercher. Allez, au revoir. J'ai posé mes cadeaux de Noël. Je vais peut-être passer au Black Cat. Ceci dit. Hop là. Peut-être passer au Black Cat parce que j'ai plus trop de boissons. Oui, c'est ça. J'ai plus trop de boissons. Hop là. Bon, allez, hop. Putain, je me pensais pas si endurant. Ah, je suis épuisé. On va voir combien je vais faire là. Parce qu'en soi, j'en ai 109 fois. Combien il m'avait dit le gars? Je me rappelle plus. Attendez. Faut que je reprenne. Bloc-notes. Ah, 35. Ouais, ça fait 3 000 $. Ah ouais, pff, ouais, ça vaut pas le coup, hein. Falloir en braquer du... Ah ouais... Putain, là, va falloir en braquer du... Je suis au point Z à pied. Je fais au plus vite. Ça fait que 3 800 $. Oh là là.
Joli! Et Bobby. Aïe! Putain! Et Bobby, il aurait été jaloux, presque. Aïe aïe aïe. Ti la 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 la. La 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 la. Putain, c'est immense, j'imagine, comme caca. Ah, non, je te peux pas. Ah, bonjour le cas, comment ça va? Pas bien, toi? Mais ça va. Attends, je mets juste ce que j'ai sur moi dans le. En deux secondes, j'arrive. Ah, ouais, non, y'a pas de problème. Ah, bonjour David, comment ça va? Comment ça va? Oh, ben moi super! Ah. Alors, tu t'énerves pas, je te montre juste. Mais regarde, je me suis acheté ça. Ouais, et puis surtout, regarde, attends, je me retourne, comme ça je te fais la surprise. Regarde, boum! Ah, nickel! Ben ouais! Ah, nickel! C'est super ça, non? Ah, la tenue du braqueur, ouais. Hop là! Voilà. Et du coup, j'ai essayé de faire les dabs. Mais vu que tu m'as donné les prix, j'ai fait les calculs. Il va falloir que je me fasse plus, hein. Parce que. Putain, ça te donnerie. Alors, 10 000. Ça permet d'avoir un petit supplément. Voilà. Ah, ben, c'est Lucas qui a chopé. Ouais, c'est 10 000. Vas-y, j'ai reçu 10 000 chez Dana. Et je vais partir, au revoir, merci. Et au revoir! Ah, ben moi je m'en fous, après il y a du fou avec David! Ouais, c'est bien! Ah, faire du tir au lapin après! Yes! Du tir au lapin? Du
Ah, et, ah, tu vas avoir un petit lapin, tu vois, qui va galoper derrière, et avec mon œuf, je vais essayer. Ah oui, ça fait mal. Ah bon, ça va. Et par contre, je sais pas qui c'est, mais il peut pas prendre mes liens. Ouais, c'est moi qui ai les poches pleines, t'as de la place. Vas-y, on va voir. Hop. Et hop. Allez, 109 liens. Nickel. Et après, le reste, c'est moi qui te dois. Ouais, d'accord. Donc je dis, vraiment, viens te voir. Attends, parce que du coup, ouais, non, c'est bon. J'ai la position la plus intéressante, moi je reçois et lui il donne. Allez hop. Nickel. Alors. Et je te dois 5615. J'allais tirer un truc, mais je vais fermer ma gueule parce que c'est un super titre, oui. Ça. Oui, alors quand j'ai dit, j'ai... Bon, c'est ça que j'ai dit. Bon, alors, quand c'est bien d'accord. Oui. Ah ben, attends, de rien. Moi je prends. Un plaisir super. Bon, c'est géré. Parce que j'ai Frédéric qui m'a appelé pour. 5615. Ah, Miguel, t'es au top. Mais qu'on se mette d'accord, chez moi ça reste une sortie, y'a pas d'entrée, ça va. Ah, ouais, non, mais tranquille, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Bien que je sois d'accord avec toi, hein. Ça reste une sortie. Ouais, ça reste une sortie, ouais. Nickel, j'ai eu 5615, 12, je sais plus. 15. Et 30 pochons. Donc, ça a l'air d'être bon pour moi. Est-ce que je peux aller jeter ma voix? Non. Donc, j'ai regardé un peu, je suis allé voir le concess. Yes. Moi j'ai vu 2-3 voitures, elles sont jolies, hein. Et les prix aussi, je suis sûr, non? Ah ouais. La moyenne chère que j'ai trouvée, qui me plaît vraiment, elle a 97 000 balles. C'est quoi? C'est une Sentinelle classique white body. Ah, ben oui, parce qu'elle l'aime beaucoup, ouais. Putain, on dirait Nicki Minaj, bien bombée. Elle est jump. Elle au bas du dos bien bombé, elle jump. Enfin bref. Mais sinon, ouais. Après, hésite pas à regarder sur le Weasel Auto. Hein. Ben oui, c'est ce qu'on disait hier. Là, je regardais un peu le Weasel Auto et puis j'ai appelé le merde. Zombica. Oui. Mais ils m'ont dit, faut venir. Ouais, ils ont 4-5 véhicules. Mais du coup, faut venir, ils sont gentils, mais bon, à pied, ça fait loin le Zombica. T'as pas de Punto? Mais non, ma daronne, elle s'est tirée avec. Donc tu fais tout à pied là en ce moment? Ah bah oui! Ah ouais! Ah ouais! Mais oui, là tout à l'heure, j'ai mis autant de temps à revenir parce que les liasses, je suis allé les tirer au Corp Center. Et du coup, il fallait descendre. Essaye de t'acheter une petite moto, il y a des motos à 5000 balles. Oui, contre, pas trop moto. Oui. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a un mec qui met une VSTR, qui est là depuis le 15, donc depuis hier. Oui. À 200 000, t'en as un aujourd'hui, il met une VSTR, pareil au niveau de la custom, à 250 000. Ouais, c'est Oda, c'est un des gars de l'ENA. Je sais pas, ouais, c'est possible. Oui, c'en est un. Attends, t'es en train de me dire que genre si on va voir l'ENA situation là. Oui, essaye de voir avec l'ENA. J'allais te dire. On peut avoir une VSTR. Non, pas une VSTR, mais. Ah merde. Peut-être un véhicule, mais va voir. Ouais, ils peuvent te filer un véhicule. Moi, je sais que j'ai pu acheter un véhicule pour que d'Alcher quand je suis arrivé. Ouais, alors je t'avoue que je préfère m'acheter un véhicule par la sueur de mon front que plutôt être assisté. Ouais, mais c'est pour éviter que tu restes à pied H24 là. Alors imagine, tu reçois un véhicule, même si c'est un véhicule de merde, tu vas peut-être pouvoir faire beaucoup plus que ce que tu fais pour l'instant. Tu vas peut-être être plus productif, tu vas peut-être pouvoir avoir plus rapidement ce que tu veux. Bah ouais, mais bon. Et après, tu vas rendre le véhicule à l'ENA et tu voilà, merci pour l'ENA, et puis voilà, tu le rends et puis basta. Comme ça, ils sont contents, et puis toi t'es content, et puis voilà, roulez boulez. Hein. Mais ouais, mais je crois pas, Nan et moi, je peux pas acheter de véhicule. Je sais pas pourquoi, c'est. Ils m'ont dit ça, c'est con. T'as deux cartes grises, une qui est réservée pour la Punto que tu as de base. Ouais, mais ça, c'est ma daronne qui s'est tirée avec, donc je les donne cul. Voilà. Ouais. Du coup, il t'en reste une, donc en principe, tu peux acheter un véhicule. En prix d'accord. Alors, ta Punto, vraiment, t'as plus possibilité de la récup? En aucun cas? Oh ben non. Mais alors, ce que je te conseille, hein, c'est que tu vas voir vraiment super haut et tu leur en parles, quoi, parce que ça va plus, là. Hein. Ou voir avec ça, avec la mairie, ouais. Ouais, tu avec la mairie ou quoi que ce soit, tu leur en parles. La mairie va me dire, ta daronne, c'est ton problème, démerde-toi. Ouais, après, c'est à toi de voir, moi, j'ai le coup. Et en fait, ils ont réglé ça de leur côté. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que je leur dis.
On est d'accord. Ça leur coûterait de te livrer une nouvelle poteau dans ton garage. Oh putain, il m'a fait peur d'arriver comme ça. Ah putain, question. Oui, réponse. J'ai vu une dame passer à fond blinde sur la plage toute l'après-midi avec une ici sport. Une blonde. Blanche, je sais pas. Attends, une coupe au carré. Non, la dame. La ici sport, elle avait été comment? Elle est grise. Ah bah, c'est pour ça que je vous demande si vous la connaissez, c'est qu'elle a failli me renverser 3-4 fois. Je sais pas. Ça peut correspondre à une description qu'on connaît, oui. Ouais. Mais elle a failli me renverser 3-4 fois quand même. Du coup, Face, ça te dit quelque chose? Faites une ici grise avec une personne blonde, allez, ou des cheveux blonds carrés qui rouleraient rapidement au niveau de la plage. Ça te dit quelque chose? Grise, cheveux blancs, ouais, peau carré. Ah oui. Nickel. Compliqué. Hein. Elle a dit. Compliqué. Mais oui. Enfin, il me fait écraser 3-4 fois par elle. Elle a bien largué les keufs aussi, c'était bien drôle ça. Elle a fait un tour de rond-point et les keufs ils l'ont perdu. Nickel. Ouais, bref. Je connais vraiment pas. Ouais. Ah. Ça me dit rien. Oui, d'accord. Mais tant mieux. Quoi, tant mieux, je sais pas en fait, tant pis, j'en sais rien, mais. Mais voilà. Non, c'était juste pour vous dire, vu que vous m'avez dit que c'était chez vous, moi je vous dis. Pas de soucis. Merci en tout cas pour la faute. Pédering. Ah. Bon, mais je vais essayer d'aller vendre. Quoi, mettre le pognon à l'abri. Yes. Yes, pas de soucis. Allez, bon Allez. Courage. À bientôt, courage. Et bon, je vous tiens au courant, je vais peut-être prendre une 9. Parce que bon. Yes. Ah, très bien. C'est 6000. Ah. Combien? 6000. Ok. Et j'ai vu quelqu'un avec un couteau qui se déplie là. Comment il s'appelle ça? 5000. Papille. Papillon. Papille. Ouais, papillon, 5000. 5000. Ok, donc ça fait 11 000. Ok, et ben je vais vendre dans 2 mois, peut-être je vais l'acheter. Mais pas de problème. Allez, à bientôt, courage. Je vous tiens au jus, des fois j'ai vendu ce soir, je sais pas. Pas de soucis. T'inquiète, pas de soucis. Elle est trop classe cette voiture, je la veux. Ah non, c'est pas moi. J'ai des marres. Wouah! Aïe! Aïe! En vrai, un keuf, juste, il s'habille normal et vient se balader ici de temps en temps. Il prend plein d'infos, mais masse d'infos, quoi. En tout cas, pour les cons, là. Les ghosts. Pardon, pas les cons, les ghosts. Je suis plus avec mon ancien personnage. Mais pour les ghosts, en vrai, il fait comme il veut. Ils font comme ils veulent. Prennent masse info, les ghosts ils s'en battent les couilles, même moi j'aurais pu être un keuf. Dire bonjour, je viens vendre. Aïe. D'ailleurs ce serait marrant un jour de faire ça. Si on me demande de vendre mes infos, je dirais ben ça dépend. Tu donnes combien? Tu donnes combien? Mon perso a toujours dit, hein, c'est une histoire de pognon. Hein. Si on lui offre plus, il a aucune race. Il l'a dit à tout le monde. Aucune race. Du moment où en face ça donne plus de pognon que l'autre, pas de race. Il l'a toujours dit. Aïe, putain de ta mère là. Putain. Aïe aïe aïe. Ouh.
J'ai beau être au matinal, là. J'ai mal, là. Putain, faut que j'aille à la banque. Qui est à l'autre bout de la planète. Après, je vais au Black Cat chercher de la boisson parce que j'en ai plus que deux. Peut-être de la bouffe aussi. Quoique la bouffe, ça va pour le moment, je crois. Ouais, la bouffe, ça va. On a encore 10. Voilà. Hop. Hop là. Oh bonjour. Alors, attendez, je regarde. J'ai 6275 $. Donc je vais déposer 6275 $ déposés. Tire 8-5. Égal. Allez, on part. Et combien ? On le compte ? Mais si j'avais plus. J'ai bien pris 800 $, pas 8000. Oui, ok. J'étais persuadé d'avoir vu 27 000. J'allais dire wow! Mais non. C'est 17 000. Après, en vrai, ça va. 17 000 $ en 3 jours. Sans trop forcer. Ça va, franchement. Franchement, ça va. Aujourd'hui, il y a la soirée Black Cat. D'ailleurs, j'y vais. Bon, mon perso sait pas, mais j'y vais. Bobby! L'homme de l'ombre! Ah, Bobby, t'as loupé ça! Désolé, je sais pas. Je regardais pas trop le chat. Ouais, Bobby. Bobby. Is dead. Sorry, bro. But Bobby is dead. Is very, very, very dead. Sorry, bro.
Bobby est mort lors d'un accident de voiture. Ah! Bobby est mort lors d'un accident de voiture il y a 2-3 semaines, je sais plus. Voilà. Je l'ai pas streamé, donc voilà. C'est peut-être pour ça que tu l'as loupé. Et ouais, je l'ai pas streamé. Et il a eu quoi? Il a eu un accident de voiture. Oh bah pour pas changer, voilà, exactement. Exactement, pour pas changer, petit accident de voiture. qui fait plaisir. Ouais non, il est dead comme une grosse merde. Quoi, comme une grosse merde, non, mais voilà. Si tu veux, il y en a qui ont stream son enterrement. De que t'as connu, il y a eu... Il y avait bah... Aïe. Il y avait Alexandra, Nick, et il y avait... Alors, il s'est fait discret, mais il y avait Renault. Ça, ça fait trop plaisir. Il y avait Renault à l'enterrement de Bobby. Ça, ça fait méga plaisir pour de vrai. Aïe, putain, tam... mais ouais, voilà. Accident de voiture, il s'est éclaté comme une grosse merde. Ce nouveau personnage, Bob, me permet de tester ce que je ne pouvais pas avec Bobby, voilà, pour être honnête. Et quoi des idées pour le futur de Bob? Alors, ouais, le futur de Bob est pas bien compliqué. En gros, Bob est amoureux de l'argent. Son seul but est de faire de l'argent, en fait. D'avoir de la thune. Et des putes. Mais surtout de la thune. Du coup, à l'heure actuelle, il fait tout ce qui lui rapporte le plus. Actuellement, ce qui lui rapporte le plus, c'est de... quoi, de se faire... de vendre de la drogue et d'aller casser des dabs. Et le but, plus tard, c'est de faire un criminel qui en a rien à battre de tout. Toutes les règles que les criminels se sont fixées entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont des... Les gangs se sont mis d'accord pour des... Pour des trucs... à la con. Et en fait, je vais venir juste foutre le bordel là-dedans. Je pense qu'il va se faire buter, hein, ce perso, mais voilà, ça me fait kiffer de venir foutre le bordel. Le but est de faire en sorte qu'il se fasse un peu d'argent. Il est teubé à souhait, donc c'est sûr qu'il va se faire choper. Ça va faire des scènes très marrantes avec les flics. Et le but, ouais, c'est de foutre le bordel dans la crimi, de faire un électron libre en fait et qui se contrôle pas du tout, parce que sa seule idée, sa seule fixette, c'est de faire de la thune. Donc là, à l'heure actuelle, ceux qui proposent les meilleurs deals, c'est les ghosts. Demain, s'il y a les vagos qui arrivent, qui proposent un meilleur deal à Bob, il va chez les vagos, tu vois, il en a rien à foutre. Et c'est ça qui va être vraiment très très drôle, je pense. En tout cas, c'est bien l'envie que j'en ai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le monde qui est déguisé là. Un rassemblement des lutins ou quoi? Portal de Bobby. Quoi? Ça pourrait être drôle. Bah ouais, ouais. Ah, les patrons ils sont beaux. Comme ça, tout le monde qui prend dans votre poche aussi. J'ai peur. Ouais, ouais, ça peut être vraiment drôle. Mais elle a cru que j'étais son pote à elle. Ça peut être vraiment très drôle, ouais. Et du coup, pour le moment, bah, c'est le début, hein, donc il ferme sa gueule, il fait ses trucs. Mais ouais, voilà, il. Quelle imposteuse! Je t'ai trouvé! Tout le contraire de Bobby, oui, c'est. En gros, c'est Bobby en nos limites, en fait, en gros. Parce qu'il a le même humour. Bon, il a le même accent, mais ça, c'est pas fait exprès. Mais il a surtout le même humour, un peu. Les mêmes gimmicks de.
de parole, le même comique, on va dire, mais le même humour. Mais à part ça, Putain. Mal au coude. Non, c'est bon. Mais bonjour. Bonjour. Oh, pardon. Ouais. Désolé, je me suis tendu. Vous inquiétez pas, c'est normal. Oh, blanc. Ah, oui. Vous êtes très jolie avec vos cornes. Vous captez la 5G. Des bois. C'est des bois. Des jolies boules. C'est... Oui, c'est vrai. J'ai envie de caresser les boules. J'allais dire un truc, mais non. Merde, j'ai zappé ce que je venais chercher. En plus. Ah oui, c'est vrai ça. Ah oui, c'est lui. Moi j'ai les mêmes boules et vous avez les mêmes chaussures. C'est beau. Moi les miennes, elles sont gelées. Gelées? Des boules? J'ai une boule gelée, moi. Ah oui? Faut les mettre à côté d'un chauffage, ça réchauffe. Ou alors demander à madame de masser, mais je sais pas s'il y a madame. Non. Ah merde. Alors, j'étais venu chercher des boissons. Vous voulez quoi, hein? Chocolat chaud? Ah non, des vraies boissons. Alors non, je veux des Bob Tea parce que j'en ai bientôt plus. Et ils sont vachement bons, vos thés, là. Ah oui, il y a du thé. J'ai goûté le chocolat. Et vu qu'il a mon prénom, je vous avoue que j'adore. Donc, je vais vous en prendre... 8, s'il vous plaît. T. 8. Oui, 8. Ah, je ferai 10. Ben oui, mais c'est parce que j'en ai encore 2. Du coup, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Alors, 8. Et puis après, je vais vous prendre... J'ai jamais goûté les oranges black. Donc, je vais vous prendre des oranges black. Une dizaine. Allez, hop. Ben, après, j'ai 10 burgers sur moi. Du coup, vous me conseillez combien de boissons? Bah, j'aurais fait 20, mais après, ça c'est vous qui voyez. Eh bien, hein. 20, ça fait combien? Parce que j'ai... 580$. Avec le tout? Oui. 20 Orange Black et 8 bois petits. 580. Allez, banco. C'est quoi votre nom déjà? Ah ouais, alors, attends. Parce que la dernière fois, on a mis quoi? Mais Hulk! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on fait les Avengers depuis le début. Allez, Hulk. Nickel, merci. Alors, la facture. Et il fallait venir déguisé. Mais j'avais zappé. Bah, faut revenir. Mais oui, alors je suis à pied, donc je vais mettre 20 minutes pour y aller et revenir. Hein, donc, ça, c'est con. Hop. Mais oui, il y a ma drone, elle m'a tiré ma caisse alors. Ah oui, la Punto. Mais oui, j'avais que ça moi. Alors, je reviens, je vais chercher. Oui, pas de problème. Oh putain, t'as mis la porte dans la gueule de ta collègue. Ah bon, j'ai pas fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je sais pas qui c'est. Ah merde. Mais... Je vais pas les prendre. Ah. Alors attendez. Faut mettre le sac. Je vais sortir le sac de ma poche. Hop là. Comment ça se fait? J'ai pas tant de trucs que ça sur mon portable. Ouais, c'est bref. Et si jamais vous êtes content du service, hein, n'hésitez pas à donner des pourboires. Hein. Ah oui? Bah oui. Alors je suis désolé, j'ai pas beaucoup d'argent, mais vu que vous avez de belles boules, Anthony. Ah, c'est gentil. Mais de rien, plaisir. Mais je sais que vous venez d'arriver, donc. Oui, désolé. Donc je vais pas vous non plus vous. J'ai pas. Mais dans quelques mois, pardonnez plus, hein. Oh. Mais si vous connaissez un moyen de se faire rapidement de l'argent, moi je suis pourri, mais Bah, faut travailler dans une boîte.
Oui, alors moi, les deux boîtes que j'ai vues, pour le moment, je gagne plus à travailler à la Syrie. Pourquoi vous dites ça? Et, genre, ça propose 170$ du quart d'heure, alors que à la Syrie, je fais 330. Ouais, alors je pense pas, parce que... Ok, vous faites 170$ du quart d'heure, mais à mon avis, vous avez oublié les primes qui tombent tous les lundis de tout le boulot que vous faites la semaine. Oui, alors j'ai rien compris, mais un début, on est en CDD pendant 2 semaines et on gagne rien, et en plus, on a un quota à la con que je tiendrai jamais. Vous gagnez rien, mais vous gagnerez sûrement plus que la Syrie. Dans tous les cas, les entreprises, c'est plus que la Syrie. Hein. Mais ouais, je sais pas, mais. De toute façon, tout le monde a des quotas de con que je pourrais jamais tenir, donc. Je vois pas comment j'y vais. Black Cat, alors moi, je suis pas là très que le soir. Oui. Alors j'ai 175$ du quart d'heure. Ouais. Après. Après, on doit respecter un quota. Et, ouais. Si je suis là très souvent et que j'ai le quota, ouais, je me fais 20 000. 20 000 par semaine? Ouais, mais parce que vous êtes en CDI. Oui, mais dans tous les cas, vous gagnez pas des clopinettes, même si vous êtes en CDD. Et puis, CDD mais 20 000, c'est que dalle, là. Mais j'ai regardé. Plus vous êtes là, plus vous gagnez. Donc mon collègue, lui, il est là souvent, il gagne 100 000. Parce que là, moi, en 3 jours, j'ai fait 20 000. En travaillant jours, un 20 peu. 000. Ouais. En travaillant un peu. Quoi, genre, j'ai travaillé 3 jours. Ben ouais. Comme un forcené. Ah ouais, mais vous faites pas de pause. Jamais. Bah là, au moins, on peut faire des pauses. Mais oui, mais regardez. Genre, j'ai travaillé 3 jours, j'ai fait une pause pendant un jour. Hop. Pause. Bah, moi aussi j'ai mes pauses le mercredi et le week-end je suis pas là non plus. Ah oui, moi d'accord. Ah ouais. Après ça c'est vous qui voyez. Oui, je vais voir. Mais c'est vrai que vous avez l'air sympa au Black Cat. Ah oui, on est les meilleurs. C'est vrai? Bah oui. Meilleure ambiance du... De... Mais j'ai eu comment... attendez, j'ai oublié son prénom, la pauvre. J'ai oublié son prénom. Une de mes collègues. Tilia Black Cat, j'ai noté. Ah bah elle est là, elle est cool. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit la même chose. Bah ouais. Mais je vous avoue, je sais pas. Mais peut-être que je prendrai... les informations pour... Après, pour postuler, je sais pas comment ça fonctionne. Je vous avoue. Ah bah faut que vous pouvez envoyer un message à l'entreprise et vous demander des renseignements. Et après, il y aura un RH qui va vous contacter. Mais vous pouvez faire d'accord. Ça ici et dans toutes les autres boîtes. Ouais, non, mais les autres, je suis allé voir, ils ont l'air cons. C'est pas contre vous, oui, mais... Bonsoir. Les autres... Bonsoir. Ils sont tout beaux, ils sont tout déguisés. Mais oui. Donc, bon, je vais m'occuper des autres clients, si vous voulez voir... N'hésitez pas à venir me voir. Ouais, il y a quoi de prévu ce soir? Du coup, parce que j'ai rien vu... Ah, oui. Ok, ça, j'avais zappé. Oui, c'est pour ça qu'il y a une grosse scène. Oui, il va y avoir un défilé et un cash prize. Ah ouais, d'accord. Ça, en fait, c'était intéressant pour vous parce qu'on gagnait des tickets restaurant. Ah ouais, c'est ça que vous m'aviez dit, ouais. Bah putain, ouais. Que j'avais complètement zappé. Autant pour moi. Ah. J'ai un cadeau pour vous, si vous voulez. Ah oui. Ah ouais. C'est quoi? Attendez, j'ai bugué. Ah, tenez. Ah. Vu que c'est la Coupe du Monde dans ce moment. J'ai... Ah, merci. Et de rien. Un plaisir. Oh là là. Vous voyez? Je vais shooter dedans. C'est vrai? C'est... Ah ouais, non, je peux pas. Ah, oh, dommage, je le mettrai chez moi. Ah, c'est bien ça. Bon, je vais vous laisser. Oui, à bientôt. À bientôt. Le concours de défilé des costumes d'Unreal. Il
clé, va dire je sais pas. Je sais pas, demandez à quelqu'un d'autre. Demandez à un autre du Black Cat. Vous êtes sûr que vous travaillez au Black Cat? Oui, limite, demandez savez, au Yellow, ils savent peut-être. Des fois, c'est pas facile, on a beaucoup de choses à gérer. Ah bah ouais. Okay, il faut acheter la viande pour faire les Black Spine, il faut faire les sushis. Faut dépenser soit tu. Oh, oui, mais j'adore les sushis. J'adore les cookies au défilé. Oh putain, quand elle marche en plus, il y a des gros lots. Oh mais là mais là. Mais regardez. Oh merde. Qu'est-ce que c'est? Ok. C'est des gros lots. Oui. Oui, par contre, vous tournez un rond, ça donne le tournis. Et nous deux, ça fait les gros lots. Tourni côté, tourni gros lots. Vous pouvez rester là, c'est bien ici au final, oui. Attention, la neige est froide. Alors, il faudrait que vous vous rendiez à 21h30 devant la scène. Ouais, mais c'est pas 21h. C'est 21h30, bébé l'autre. Ah, 10 minutes. Bonsoir. Voilà. Vous allez bien? Bonsoir. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Non, je sais pas. Pourquoi? Ah non, mais c'est Vous pouvez sauter, s'il vous plaît. Ou tomber, comme vous voulez. Mais. Oui. Pas dans les escaliers. Ah oui, non, mais oui. Vaut mieux. Ah, oui, s'il vous plaît. Comme ça. Ah oui, c'est bon. Nickel. Super, vous êtes au top. C'est que je vous voyais faire du moonwalk et... oui. C'était très perturbant. C'est peut-être Michael Jackson blond. Ah oui, j'avoue. Faites hi hi. C'est bon, je marche à l'envers. Oui, oui. Mais faites hi hi pour moi. Hi hi. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, non. Je me demandais si vous étiez Michael Jackson blanc. Et blond surtout. Ouais, mais vu que vous aimez pas trop les enfants, ça a l'air d'aller. Non, ça va. Pourquoi il y a une invasion de cornes là-bas, de bois, pardon. Juste là. C'est des lutins, non? Des lutins de Noël? C'est... Ah putain, mais il y a le Père Noël aussi. Oh, j'en ai marre. Oh yeah. Nos collègues du Black Cat. Le truc qui est triste, c'est que je connais plus personne. Quoi? Je connais du monde, mais je peux plus aller les emmerder. C'est dommage ça. Aïe aïe aïe. Bien. Vous avez le même. Bonjour. Gente. Oh putain, je me casse. Oh. Tombez pas, hein. Tout va bien se passer. Ça se monte pas à tomber. C'est vrai? Ma vie. Merde. Ouais, mais vu votre carrure, je suis sûr, vous tombez pas, la terre vous rattrape quand vous tombez, non? Ouais, bah, même je la décale un peu à chaque fois, c'est pour ça que ah. Je me suis changé. Pété la gueule, Gwen, t'es vu, hein. Viré, hein. Dans le milieu, une dichet. Moi, je l'ai viré, moi. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est bien, ça. Ils n'ont pas le droit de tomber, les employés n'ont pas le droit de tomber. Ah, c'est plus bien. Interdite. Sinon, virage. Ah, c'est bien ça. Virage à 90? Oui, 180. Oh putain, nickel.
Bon. Ouais, mais je vous laisse. Désolé, je vais pas pouvoir participer au défilé, faut que j'aille travailler. Ah bah, allez, ça va, bon courage. Problème, hein, la vie, le travail n'attend pas. Et oui, c'est ça, non, mais c'était pour, surtout pour la madame parce qu'elle m'a proposé. Et voilà. Ah. Pas de soucis. Allez, passez une bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Et profitez bien de la soirée, hein, ça a l'air top. C'est vrai, ça. T'as la gueule, mais. Enfin, agression. C'est pas nous, c'est pas. On fait quoi, nous? Oh ouais, putain, y'a la reine, c'est toi qui tire le traîneau, Ozzy. Vite fait, oui. Ah, oui, d'accord. Eh ben, courage à toi, eh, parce que si tu dois tirer toute la bande de lutins et le Père Noël, ça doit être lourd, eh. Ouais, puis il a bien mangé cette année en plus. Ah oui. Mais tu les tires comment? Juste dans le traîneau ou aussi dans le lit? Enfin bref, allez. Je ne répondrai pas à cette question. Ok, d'accord, j'ai des pires images dans la tête. Hein. Bon, au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Oh oh, je tomberai pas. Je ne suis pas faible, je ne tomberai pas. Bon, mesdames et messieurs, je me tire de là parce que sinon je vais avoir trop les boules d'avoir quitté le Black Cat. Je me casse. D'ailleurs, mesdames et messieurs, je vais faire comme Bob. Je vais aller chercher à boire parce que je commence réellement à avoir soif. Est-ce que j'ai encore mon Lemon Black? Voilà. Bon, attendez, je reviens. Je vais chercher. Je reviens tout de suite. À tout. Batterie chargée à 20%. Hop là, j'espère que vous avez bien entendu qu'il me restait 20% de batterie dans le casque. Ah là là.
un homme sérieux. Oh, chier. Oh, putain. Oh. Vas-y. Ça casse à l'écran. J'ai la tête qui tourne, la tête qui tourne. Et me sens pas bien. Que faire? Hey Ted, old buddy, how you keeping? Bob. So, racquetball. Have you got a window? Ah, yes, how are you? Cousin. Allez. Amuse-toi bien avec ça. Et ouais. Ils ont toujours pas pris mon appel, donc j'ai le temps. Allô? Oui, bonsoir monsieur, vous êtes toujours au Black 4? Ah, non, je suis pas sur le Black 4, j'étais en train de rentrer chez moi. Je suis sorti de la soirée du Black 4 quand je suis tombé malade. Je suis pas loin du ponton. Si vous voulez, je reviens au Black 4, je suis à côté. Est-ce que nous. Il y a 2000 Black 4 en fait. Ah, ok, et eh ben j'y retourne. Pas de problème, okay. Je savais pas. Ils sont à l'intérieur. Dans le Black 4. Ok, je risque pas de contaminer Plinmund. Je sais pas ce que j'ai. Oui, pas de problème, c'est gentil, merci. Vous êtes au top. Hein. Ouais, je vous en prie. Aïe, à tout de suite. À tout de suite. Ah. Allô? Et bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes médecin qui est au Black 4? Oui, alors moi non, mais du coup, on a deux médecins qui sont disponibles au Black normalement. Donc si vous êtes pas bien, n'hésitez pas à aller les voir et ils s'occuperont de vous. Ouais, y a pas de problème. Y a un nouveau collègue qui vient de m'appeler exactement pour ça. Ah bah nickel. Un qui avait l'air déprimé. Sa vie avait pas l'air super cool. Ah merde. Ah oui, je sais pas qui c'est, mais il était vraiment déprimé, ouais. Ah. Et puis écoute, je vois, et puis on va voir ce qu'on peut faire pour lui, hein, parce que s'il est pas bien, ouais, faut quand même faire attention. Ah bah oui, il m'a dit, ouais, un de mes collègues. J'ai eu l'impression qu'il était au bord du précipice et qu'il allait se jeter. Ah merde. Oui, bon, je sais pas qui c'est, mais. Du coup, vous aviez. Ah, ben, je sais pas, j'y cours. Ok. Aïe, ah, putain d'escalier de merde, pourquoi tu bouges? Ah non, c'est la tête qui tourne, c'est vrai. Ah oui. Ah. Bon, ben, faites attention à vous et puis n'hésitez pas à voir avec eux. Hein. Oui, d'accord. Allez. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, faites attention. Ah oui. Je sais pas qui c'est, oh. Aïe. Oh putain. Je fais 2000$. Propre.
J'en ai plein le cul. Un docteur, aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous relever. Ouais. Et bonsoir. Hop, tenez. Vous êtes au top. Ah bon, on essaie. Je sais pas ce que j'ai, mais oui. En plus, en venant, je me suis mangé dans les escaliers, c'était violent. Mais enfin, bref. Mais vous, ça va? Bah écoutez, on me fait aller, hein. Oui, désolé de vous avoir dérangé pour ça. Bah on est là pour ça, en fait. J'étais juste à l'autre bout du... J'étais au bout du ponton. Quand je suis tombé, malade. Je savais pas que vous y étiez là, sinon je serais revenu direct. Ah si, si, sur les événements en général, on essaye de, d'avoir... En plus, je suis passé, mais je vous avais pas vu. Mais on était collé à la fenêtre. Ah, d'accord. Vous êtes sûr ça va, monsieur? Vous avez pas l'air super bien. Ah si, ça va bien. Ah oui, d'accord. Non, là, il est en train. Ah oui, d'accord. Mais il y a un autre monsieur de chez vous qui m'a appelé. Il va peut-être vous poser des questions, du coup. Parce que je lui ai dit que vous aviez pas l'air bien au téléphone. Je m'en occupe. Bien, si vous voulez, je vous donne ce numéro, c'est... Oui, bonsoir. 5581. Qui c'est qui est central, s'il te plaît? Ok, ça marche, je vais l'appeler. Merci beaucoup. Ah, c'est 5581 le numéro qui m'a appelé. Je confirme. Enfin bref. Bon, mais dites-lui que tout va bien parce que vraiment, vous me... Oui, enfin bref. Vous me... Il a pas l'air très inquiet vu qu'il nous a pas appelé. Donc, oui, peut-être qu'il... Quoi, je pense qu'il vous connaît, du coup il a dû dire oui, c'est normal. C'est possible, oui. Mais bon, voilà. Comme ça, vous vous inquiétez pas s'il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous demande si ça va, quoi. Bon, et bien je vous laisse, faut que j'aille travailler à tout prix. Bon courage. Et puis, ben, oui. Profitez bien de la soirée quand même, même si vous êtes en travail. Aïe! Vous êtes pas déguisé? Ah si, vous avez mis un petit bonnet quand même. Ouais, on a quand même mis le bonnet. Eh bien, Ali, courage à vous! À bientôt! Merci, bonne soirée à vous! Au revoir! Ouais. Je sais pas si je vais. Si je vais tout vendre, parce que c'est déjà tard. Pour moi, en tout cas. Oh, si j'attends demain. Dire que vendre demain, ça n'a pas d'intérêt, parce que demain matin, quand je vais me lever, il n'y aura pas de flic. Donc faudra mieux que j'aille casser du... Enfin bref, ça c'est de la méta à laquelle il ne faut pas penser quand... Quand on joue. Mais la méta voudrait que je vende ce soir et que demain je casse du... Je casse du dab. Olé ! Je peux enlever mon sac. Ado. Oh là là, regardez-moi ce beau gosse. Beau gosse. En vrai, j'aime beaucoup le masque que j'ai acheté. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je pense quand il ira braquer, je mettrai ce masque et je vais essayer de trouver un petit chapeau blanc. Genre un peu... un peu suidronné, vous voyez. Je pense que ça peut être stylé. Quoi, j'en sais rien en fait, je sais pas trop.
Young boy, comment ça va? Tu vas bien? Nickel, allez, courage. Alico. Et bonjour. Aïe, putain ta mère. Tiens collègue. Amuse-toi bien avec ça. Collègue des tendo bien avec ça. Allez, à bientôt. Alors madame, on a besoin d'une petite dose.
Tiens, allez. C'est cadeau. Allez, à bientôt, madame. Vas-y, t'as pas à revenir en prendre chez moi. C'est pas cher. C'est bon, 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 bon. Très bon. Monsieur, vous avez disparu. Monsieur, vous avez disparu. Sous nous, merde. Monsieur. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ah oui, chaud. Hop. Ah. Arrête-toi, je t'ai dit. Ouais, pardon, je t'ai pas entendu, désolé. Hop, j'arrive. Hop là. Oh putain, pardon, désolé. Oui. Oh, désolé, je savais pas que vous étiez là, hein. C'était pas prévu, moi je voulais juste traverser. Carte d'identité, toi. Comment? Tu vas commencer par me donner ta carte d'identité. La carte d'identité, d'accord. Oui. Et puis ton permis. Permis. Alors, moi je me fous, je te montre, mais je vois pas à quoi ça te sert. Hein. Je pense, mon ami, qu'avec des flingues dans les mains, il vaudrait mieux arrêter de parler et faire juste ce qu'il t'a demandé. Et je lui ai montré. Oui, oui, mais je pense qu'il vaut mieux que tu dises rien d'autre pour toi. J'ai le droit de me poser des questions jusque là. Vous voulez que je lève les mains? Non, tu lèves pas les mains, non, juste tu fermes ta gueule, c'est pas mal. Bob Matter. C'est ce qu'on dit? Oui, c'est ça. On peut prononcer le S aussi, si on veut que ça fasse plus classe. Mais sinon, ça me bat les couilles. On s'en bat les couilles. Le mec, qu'est-ce que tu foutais là? Et je travaillais. J'ai eu un client de l'autre côté. J'ai voulu traverser en passant par là. Et vous étiez là, voilà, c'est tout. Ouais. Travail pour qui? Pour les ghosts. J'appelle. Faites le speech, j'appelle les ghosts là. Laisse parler. Moi, ils m'ont dit que je pouvais vendre ici, je vends du. Alors, on va faire simple. On va être Clément ce soir. Oui? Alors, avons... oh merde, non, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Oui, dis-moi. Nous avons. Dégager à coup de fusil à pompe les anciens propriétaires pour nous installer ici. Ah oui, ça doit. On a oui. La plage. Oui, j'imagine. Par conséquent, c'est bien. Tous les bâtiments à droite et à ma gauche nous appartiennent. Ok. La rue au milieu nous appartient. Et si on veut voir plus large, tout le périmètre autour de ce quartier nous appartient.
Ouais, donc, en gros, donc. Genre, Malona, la, ma chain street là, Maloama street, c'est chez vous? Dans l'idée. Ok, c'est bon, d'accord, ça va, j'étais pas au courant. Pour ça, quand même, on est clément. Donc, plus jamais tu remets un pied dans le quartier, sous peine de te faire tirer dessus, ce serait con. Oh oui, mais moi j'ai. Quoi, un trou de balle, c'est bien, deux, ça fait chier. Alors, okay. Je vais même carrément me présenter un peu plus en profondeur. Jace, je suis le président des Sons of Anarchy, d'accord? Avec moi, c'est pas des balles qui sont tirées, c'est au couteau que je retire des morceaux. J'aime bien laisser les gens en vie, comme ça ils retiennent les leçons. Oui, d'accord. Voilà. Cadillac, tu continues ton truc. Et je veux qu'il arrête de répondre à tout le temps, d'accord? Il me pose des questions, je réponds. Mais... Oui, mais juste tu reposes pas de questions derrière. Tout à l'heure, tu vois, tu as commencé à me chauffer gentiment. Platitos, ça vaut mieux pour toi, il est pas de très bonne humeur. Donc, dans l'idée, tu mets plus jamais un pied dans cette rue sous peine de te faire tirer, découper, manger. Et grosso merdo, tout ce qui va avec. Tu vends plus ta dope. Donc en 8208, 8207, 8209. Tout le long du quartier plus 8209, tu vends plus ta dope. Ça nous rappelle les flics, ça nous fait chier. Ouais, d'accord, je comprends. Et voilà. Maintenant que les présentations et avertissements ont été faits, on va passer au côté business. Moi, c'est le businessman. On aime faire du bon. Mais jusque-là, on est copains. Bon. Alors. Les règles, on peut te parler un petit peu de ce qu'on peut te proposer. Oui, d'accord. On fait pas de dope. Bon, c'est dommage. Ce qu'on peut te vendre néanmoins, c'est des caisses de munitions et des faux papiers. Le dope, c'est de la merde. Donc, j'ai jamais fait, mais d'accord. On peut te vendre chacun 120 unités avec un prix qui diminue jusqu'à ouais, donc on. Pour te dire, j'ai une PM qui bosse pour moi depuis 3 jours et qui bosse pas énorme. Elle est déjà passée au palier à 110. Ouais, donc on. Encore descendu. Ok. Donc voilà, tu peux atterrir à des gros à 100 unités. Lancement à 40%. 40% pour nous, 60%. Donc ça, c'est pour les faux papiers et les caisses de munitions. On peut te reprendre tes sacs, tes liasses. Les sacs, on te les reprend 80 unités. Elias, 35 unités. Me permet de monter, désolé. Oh, pardon, tu as dit combien, Elias? Elias, c'est 35 unités. Ok. Et les sacs de sup, si j'en fais. Tu reprends ou pas? 80, d'accord. Ah. Non, il m'a dit le nom de. Il m'a dit votre nom, mais je suis désolé, j'ai une mémoire de merde. Son of Energy, ok. Allez. Pas de problème, j'ai noté. Voilà. Et à votre moment, on peut te demander des armes aussi. 9mm ou grand arrêt. Oui. 9mm, bien évidemment, avec le numéro de série animée. À 5500$. D'accord. À 6000$. Ok. Après, on a plus gros, mais ça on verra en temps et en heure. Et ensuite, pour finir, on peut te vendre des petits objets qui peuvent te servir. On peut te vendre des zip-ties. Au 1250 l'hélice. Pas con. Pour ta meuf, pour kidnapper des mecs, comme tu veux. Bien sûr, j'utilise plutôt pour kidnapper des mecs. Et oui. On peut te vendre des kits de crush aussi pour voler les bagnoles. Ils vont à 120 unités. Ça me fait une unité. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. J'allais te dire, je t'en prends 10 à 120 unités. Mais du coup, 200 unités. Oui. Je vais pas te mentir. Autant les autres prix, on va être les meilleurs du marché. Enfin, des meilleurs du marché du moins. Même si on commence
plus haut pour les faux papiers, etc. On descend après à $100 pour chacun. Oui. Sac de super TM, ça tu. Tu pourras peut-être trouver pareil. Blanchiment 40%, c'est rien de chercher, tu trouveras pareil ou plus. Oui. Pour les kits de crochetage, 1200 unités. On les vend plus cher que les groupes qui pourraient te les vendre parce que c'est leur mise principale. L'avantage, c'est que eux, si tu leur en achètes 10, ils vont te demander de ramener 10 bagnoles. Moi, si tu m'en achètes 10, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux avec tes 10 kits de crochetage, tu les donnes, tu les jettes, tu les vends, tu t'en fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Oui, d'accord. Hein. Voilà. Après, on a d'autres trucs qu'on pourrait te vendre, mais ça, faut voir à plus long terme si. Si on peut te faire confiance pour te filer les infos. Ouais, d'accord, hein. Pas de problème. Je vais te filer mon numéro quand même. Ouais, justement, c'est ce que j'avais demandé. C'est le 79-93. Alors, 79-93. Ouais. Oh, j'aime bien ça. Et en nom, tu peux marquer Cadillac. Donc, elle sera Cadillac. Cadillac. Ouais, pas de problème. Hop, ouais. Et bien c'est noté. Ça, c'est pour tout ce qui concerne le bis, c'est par rapport à moi. Je t'ai envoyé un SMS. On peut aussi racheter les infos. Ah, les infos. Je suis plutôt friand de ce genre de truc. Donc c'est-à-dire que si jamais t'entends parler de Essonne, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Je vais te donner un numéro que tu peux appeler. Alors, attends, parce que, hop, je t'ai envoyé un SMS, voilà, un numéro que je peux appeler pour les infos, ok. Ah, y a ta collègue, elle vient de tomber malade, je crois. Ok. C'est le 93-47. 93-47, ouais. Et tu peux marquer Yoli, Y-O-L-I. Y-O-L-I, nickel. Voilà. T'as des infos, tu peux passer par elle. Ouais, d'accord. Je te dis, globalement, tout ce qui peut... Parlez-nous, ça peut nous intéresser. Ok. Et comment ça se passe? Tu lui envoies un message, tu fais une petite prémisse de ce que t'as. Ouais. Tu nous mets l'eau à la bouche. Et s'il arrive que s'il s'avère pas, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Elle me recontacte. Tu payes. Ouais. Et ensuite, tu nous donnes l'info. Ok. Ouais, c'est pareil, je lui envoie une petite SMS. Hein. Juste pour qu'elle ait mon numéro, qu'elle sache qui c'est. Bob. C'est comme ça partout, ça t'évitera d'avoir des problèmes, mais il faut s'en tenir pas ce soir. Cadillac. On peut aussi racheter des infos à très bon prix s'il s'avère qu'elles sont intéressantes. Ouais, d'accord. Mais je vous avoue que moi, je... Bon, après, je suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai jamais entendu parler de vous. Ouais. C'est plutôt une bonne chose pour vous. Dans l'idée. Mais écoute, dans ce cas-là, je vais te laisser repartir. Ouais, pas de problème. Mais moi, je te le dis tout de suite, comme ça, quoi. Moi, je sais pas si tu as l'habitude de traiter avec les ghosts, mais j'aime bien être transparent. Du coup, quand je vais sortir là, j'appelle les ghosts pour leur dire que je vous ai croisé. Voilà. Oui, y a pas de souci. Comme ça, au moins, ils sont au courant, vous êtes au courant, y a pas de problème. Oui, eux aussi sont. Voilà. Ok ? Pas de souci. Allez, vous voulez que je ressorte par où? Que je me fasse pas plomber. Par là où je suis rentré, donc par là. Eh ben allez, passez une bonne soirée, désolé de vous avoir dérangé. Au plaisir de travailler avec vous. Et à plus. A bientôt. Aïe! Putain de glace de merde. Conseil collègue, vends plus ici. Je vends pas. Ok. Ben parce que c'est une mauvaise idée. Hein? Ni se faire le dab d'ailleurs. Mais bon, après tranquille, hein, tu fais comme tu veux. Moi j'ai failli me faire découper juste en vendant. Allez, bonne soirée. Par qui? Eh? C'était toi qui étais derrière là-bas là. Je dirais rien, j'ai pas envie de crever. Des bisous. Ok. Il est où ce con là? Appelez.
vieux Bob, comme ça. Ouais, j'ai failli... Mais ça va, à peu près. J'ai failli me faire découper, c'était gentil de me prévenir. De quoi? Je sais pas, j'ai failli me faire découper en vendant sur la plage. Ah merde, par qui? J'en sais rien, il a un sourire de Joker là, il s'amusait à me dire qu'il allait me découper dans tous les sens si j'ouvrais encore ma gueule, donc j'ai fermé ma gueule. Ok, ouais. Et il m'a dit, oh, je sais plus, SOA, Son of Anarchy, un truc comme ça. Ouais, ok. Et apparemment, ils sont pas contents parce que je vendais devant chez eux. Tu vendais où? Vers les canons? Bah ouais, vu que vous m'aviez dit que je pouvais vendre sur toute la plage, moi j'ai vendu... Ouais, là, en gros, j'ai traversé 8208 et 8207, j'ai traversé pour aller en 8224 parce que j'avais un client là. Ah, et, ouais. Et du coup, bah, ils étaient derrière en train de faire une réunion. Yes, ouais, cette zone-là, ouais, évite là, ouais. Ben du coup, ouais, ils m'ont dit clairement que là, genre... 8208, 8207, 8209 et tout ce qui était devant, donc la plage, s'ils me voyaient, ils me découpaient, ils me plombaient. Non, ils vont se faire foutre. Leur quartier, là, en 8122, 8123, ils vont se faire foutre sur le reste. Ça leur appartient pas. Ils ont rien négocié, ils ont rien demandé à personne, donc ils vont se faire foutre. Combien t'as dit? 8222? C'est ça? Ta-ta-ta... 22-23. Ah oui, alors non, là moi je me suis fait choper en 82-08. Et ils m'ont dit, si je te revois passer par là, je te découpe. Donc soit ils ont changé d'endroit, ils ont oublié de vous prévenir, soit ils s'amusent à mettre des coups de pression à tout le monde. Mais, Ouais, non, ils s'amusent à mettre des coups de pression à tout le monde. Déjà, ils sont même pas capables de se présenter en bonne forme au reste des gangs de la ville. Comment ça me casser les couilles ceux-là, oui. Aller les raser dans leur quartier. Mais apparemment, ils ont chassé les anciens à coup de fusil à pompe. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a personne qui était dans ce quartier là. C'est bien personne, ce que je me disais. Personne n'a jamais pris ce quartier. Oui, c'est bien ce que je me disais. Ok. Le quartier le plus proche qui était pris, c'était 8208, 82. Attends. Non, je. Ah, c'est ça que tu m'as dit. Oui. Putain, ok, ouais, non, c'est bon. Ok, ouais. Mais du coup, ouais. Alors ouais, j'ai compris 8107. Ah non, 80. Oui, non. Autant pour moi. Donc oui, ils ont bien dû dégager. Donc putain, mais ils cassent les couilles, ouais. Et ils payent les infos, c'est débile. De quoi? Ils payent les infos. Genre il m'a donné un numéro, il m'a dit le jour où t'as des infos sur nous. Tu nous fais une petite mise en bouche à ce numéro-là. Si ça nous intéresse, on t'appelle, on paye, tu nous dis. Voilà. Par contre, toi, tu m'as donné une bonne info, tu veux combien? Je te ferai un virement. Tu me prennes de court, là, comme ça. Non, honnêtement... Faut que je te paye, vu parce que moi je suis obligé d'en informer ma boss et elle va me demander combien j'ai payé pour l'info. Donc du moins le tarif et je vais okay. D'accord. Ok, je vais être casse-couille, je sais pas si c'est possible. Mais je veux le numéro de la boss. Parce que je crois que c'est elle que j'ai croisée cet après-midi. Et comme ça, si vous êtes jamais là, si vous êtes pas là quand je veux bosser et qu'elle elle est là, au moins je peux la contacter. Yes, je peux te donner son numéro, mais donne-moi un tarif pour le prix, oui. Pour le prix de quoi? Ah oui, c'est pas assez cher d'avoir le numéro de la boss, nickel. Oh mais putain. Non, le numéro de la boss, si tu m'aurais demandé dans une discussion comme ça, je te l'aurais donné. Ah ouais. Question, la boss, elle a les cheveux blancs? Cheveux blancs. Ah nickel, c'est elle que j'ai posé. Ok, pas de problème. Ok, un prix, je sais pas, attends, je regarde combien 5, j'ai. 5000, ouais. Ça te va? Oh, j'allais dire 2000, hein. Mais vas-y, 5000, t'as dit tout premier, allez, c'est 5, bon, oui, 5000, ça me va. Nickel. Eh ben, nickel, dès que je suis libre, là, je suis sur mon pays, dès que je suis libre. Pas de problème, si tu veux que je te raconte exactement tout ce qu'ils m'ont dit, tu t'hésites pas, je... Ouais, on verra ça. Ok, pas de problème. On verra ça après. Mais du coup, merci Wetlin. Ouais. Pas de problème. Allez, bon courage. Ouais, du coup, malheureusement, je suis obligé de te dire d'éviter cette zone.
Ouais, ah oui, il y a des apparts à vendre. J'avais jamais vu qu'il y avait des apparts à vendre là. Va pas plus loin que l'anomalie. Voilà, dépasse pas 82,09. Ouais, ça ouais. Mais je vais voir si je peux pas essayer de faire quelque chose pour que. C'est dommage, ça vend des bings là-bas. Ouais, ben ouais, c'était grave bien, mais justement, je vais essayer de voir si je peux pas faire en sorte que ça. Oui. En tout cas, ils ont l'air grave chaud. Hein. Je sais pas qui c'est, mais ils ont l'air chaud. C'est des mecs en biker, mais qui sont pas capables de se présenter au groupe quand ils débarquent et quand ils montent leur groupe. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pas de problème. Ouais, voilà. En tout cas, ils ont une grande gueule quand ils tombent sur pas armés. Ouais, mais sauf que quand on. Je vais te dire, hein, mais on a des boulets dans leur quartier avec un pompe, ils faisaient pas les malins. Oui, ouais, après, si vous avez de quoi, si vous pouvez leur proposer des business, c'est sûr qu'ils vont fermer leur gueule. Moi, j'arrive, à part leur dire bonjour, je travaille avec les gars. Quand ils m'ont demandé avec qui je travaillais, par contre, j'ai dit direct votre nom, hein, parce que tu m'avais dit de dire si je me faisais choper. Mais voilà. Comme ça, oui. Enfin bref, et ils sont au courant aussi que j'allais t'appeler. Yes, y'a pas de soucis. Mais voilà. Nickel. Allez, bon courage. Allez, à bientôt. Allez, hop, 5000 balles de fée. Pardon. Bon, par contre, ça fait chier. Le seul coin où ça vendait de ouf, je peux plus vendre. Y'a un appart là ? Je savais pas qu'il y avait un appart là. WSL News. WSL News. Yuri, je sais pas quoi. Ouais. Ah là là. Thank you.
Ah ben ouais, mais vas-y, rentre-moi dedans. Je te dirai rien, putain. J'en ai plein le cul, là. Parler comme si j'étais une merde, l'autre connard. Putain. Ah, j'en ai plein le cul. Je dois me défouler, putain d'enculé de... T'es mort de... Ouch. Connard. Culé. Putain. Bâtard. Vite, putain. Chie. Putain. Culé, va. Parle comme si j'étais une merde. Tout ça parce qu'ils sont trois et qu'ils ont des guns putain de... là qui te prennent de haut. Them army benefits is bullshit. That's the... Tiens collègue, allez, merci Bing, à bientôt. Oh hi, remember me? What? Putain! A cassé les couilles lui! Putain! 71,93, c'est où ça? C'est ma banque! Ah non! C'est où ça? 71,93. C'est là. Oh, c'est pas ma banque, c'est bon. Je n'ai rien à foutre. Allez, je me casse, c'est bon. Tiens, il m'a foutu les boules, l'autre con. J'en ai plein le cul. Sérieux. Il m'a foutu les boules. Putain, j'ai envie de tout péter.
Ils sont débiles. Tu veux de l'aide, gros? Tu t'en sors? Ouais, t'es con, toi. Quatre otages à braquage de banque ont été libérés sains et saufs. Une course-poursuite s'engage entre les preneurs d'otages et les forces de l'ordre. Cette zone est strictement interdite. Allez, mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. Passez une excellente soirée. Même, je dirais, je vous dis à bientôt. À demain. Au revoir. Des bisous.